j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Ma Ferme Américaine. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, on va faire encore un nouveau défi. Voilà, il faut bien le réaliser. Donc, si on récapitule, il y avait faire des betteraves, il y avait acheter deux champs, acheter un tracteur à chenilles. Et je crois qu'on avait déjà fait deux choses qui étaient 100 000 litres de soja et acheter un transbordeur. Voilà, voilà. Donc, là pour les deux champs. Parce que oui, voilà, on va acheter les deux champs. Parce que oui, ça va très bien, donc voilà, je vais acheter les deux champs. Il le faut de toute façon. Donc les deux champs que je vais acheter, on va faire le tour du proprio. Avec 243 000, j'ai calculé, j'ai largement assez. Il va me rester de l'argent après. Normalement, de mon côté, voilà, sans vous filmer malheureusement, parce que sinon c'est en fait trop long pour moi. Je voulais remplir tous les silos à fond. Donc c'est pour ça que sur la map vous allez voir du blé un peu partout dans mes champs. Voilà, je voulais remplir le champ à fond et puis finalement j'ai abandonné entre guillemets. Donc là on a deux champs que je vais acheter et malheureusement ils sont pas semés encore, mais c'est pas grave, au pire on les sèmera en blé, du coup je vais les semer. Mais je vais vous montrer lesquels c'est. Je pense que vous avez deviné pour ceux qui jouent à Farming 20, pour ceux qui ne jouent pas, je sais pas si vous en avez déjà vu les prix des champs. Oh, est-ce que je passe? Pff. Ok. Ah ouais, ok. Si tu veux. Si tu veux, ouais. Pas de problème. Je savais pas que tu pouvais pas passer. Voilà. J'avais mal calculé la hauteur en fonction de la hauteur de la cabine et du tracteur et de la hauteur de la goulotte. Et là, on va faire des mathématiques en avant. Alors, par rapport à la troisième longitude du trigone, faut que j'arrête. Le premier champ, c'est ça qu'on pense mal. Le premier champ, c'est celui-là. Ça va. Il est pas très loin de ma ferme, donc c'est correct. Voilà, un champ qui vaut 113 000 euros. Je conduis tellement bien. Ah ouais, merde, j'ai désactivé le trafic. Attention, paramètres. Non, pas le temps, s'il vous plaît. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc ce premier champ-là. Et ce deuxième, je crois. Oula, il y en a un autre derrière. Non, c'est celui-là. Sur la map. Ouais, c'est ça. Les deux champs à 113 000. Voilà, c'est pas plus compliqué. Il y en a, alors je vais mettre là, voilà, je vais me garer même parce que sinon les bagnoles vont klaxonner. Et je n'ai pas mis le son, merci Benny. Voilà, je crois que je le mets à peu près là. Donc il y aura ce champ-ci, plus ce champ-là. Vous allez me dire, ouais mais t'achètes les champs les moins chers. J'ai dit plus de 100 000. Mais en même temps... Faut voir aussi, c'est du boulot de s'acheter par exemple celui à 448 000 là-haut, tout là-haut là, celui qui est perché là-haut, ou d'acheter même celui à 300 000 là-haut quoi. Enfin, autant acheter celui-là. J'avais pas acheté celui de 87 000, sinon ça aurait été beaucoup trop simple. Du coup, aperçu des champs, alors comment on déplace déjà ici? Mine de rien, j'ai 5 champs. Voilà, 87 000, je vais pas l'acheter. Oui, j'aurais pu, c'est vrai. Donc, on achète celui-là. Et celui-là. J'ai oublié ce ton. Voilà. On a plus que 16 000. Bon, en vrai, ça va, 16 000. Je vends du lait. Je vends tout le blé là que j'ai fait déjà. J'ai moyen de me rapporter 100 000 euros, plus de 100 000 euros facile. Hein. Ouais, c'est vrai que moi je suis quand même. Voilà, moi ce que je fais, c'est vrai que là en commentaire là récemment, je m'en demandais, mais comment. Je trouve les prix abusés, alors je sais plus qui mettait ça. Il trouvait les prix un peu abusés des véhicules, moi pas trop personnellement. Mais ce qu'il disait, il m'a demandé un moyen de gagner facilement de l'argent, pour toi, enfin. Moi un moyen de gagner rapidement de l'argent, franchement quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, c'est quand j'ai commencé à, alors j'avais commencé déjà avant d'acheter la moissonneuse, je crois que j'avais acheté une dizaine de vaches, même pas,
Ouais, je crois que je me suis acheté une dizaine de vaches. J'ai attendu qu'elles se reproduisent. J'en ai pas acheté depuis. Et alors, au bout des dizaines là, de vaches, j'ai réussi à m'acheter. En gros, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé la partie, j'ai commencé à acheter le semoir tout simplement. Le semoir, un semoir à 70 000, semis direct. J'avais vendu tous les autres trucs après, du coup, le petit semoir. J'ai vendu du coup aussi le. Comment ça s'appelle le cultivateur. Je l'ai vendu aussi. Qu'est-ce que j'ai. Du coup, après j'avais fait du soja, du soja, du soja. Je me suis acheté une faucheuse. Enfin, tous les appareils pour l'herbe finalement. Pour faire du foin, de l'herbe. Et après, je m'étais acheté des vaches. Et le choc fatal entre guillemets qui m'a permis. Ah, il y a les chevaux aussi qui m'ont permis de gagner pas mal. Alors, je me souviens, j'en avais 4. Et j'ai gagné 200 000 euros grâce à eux. 200 000 euros, moins 10, moins 20. Attends, j'en avais 4, c'est ça. Ça va pas 50 000, ouais, oui, c'est 200 000 euros. Sauf qu'un cheval, ça coûte 5 000, donc moins 20 000. Donc en gros, je me faisais du 160 000 à chaque fois que je vendais mes chevaux, et c'était pas. J'étais en fois 30, quoi. Parce qu'avant, il n'y avait pas de. De pas choisir le temps. Bien sûr, c'est pas moi qui plante, hein, vous l'aurez vu. Je ne plante pas aussi bien. Ah! Il est où mon zézé? On va. Ah, maintenant, elle est où la verge humaine? Elle est là, la verge humaine. Bon, c'est vrai que la ferme elle est bien, il n'y a que des gros tracteurs. C'est vrai que ça manque de tracteurs quand même. Prochain achat, je pense que ouais, ça sera un bidule chouette. un tracteur. Voilà. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Non, je m'achèterai un tracteur parce que là, il faut que. Ah, il faut que je fasse un peu de. Un peu de pause en attendant. Et bah oui, le tracteur, je pense que bah, vous avez déjà le prochain défi. Je pense que je vais essayer d'avoir un tracteur à chenille. Mais comment ça coûte déjà un tracteur à chenille? C'est bien beau de dire ouais, je vais m'acheter un tracteur à chenille. Bon, d'accord, en fait. Bon, salut, hein. Je reviens dans un millénaire quand j'aurai 412 000. C'est vrai que, attends, on est à l'épisode combien? Je sais même plus, faudrait que je retrouve. Alors, à chaque épisode, je m'en souviens, je cherche mon téléphone, je le trouve pas. Chaque épisode. À croire que c'est fait exprès, tu vois. Il se dit, ouais, vas-y, viens, je vais le faire chier à ce moment-là. C'est quoi ton bail? Non, mais c'est chiant. Moi, j'ai besoin de mon téléphone. Wow. Wow. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un coucher de soleil comme ça sur Formix. C'est vrai que je vous fais plus trop voir la nuit, mais bon, en même temps, c'est pas top au niveau qualité vidéo. Là déjà là on est un peu sous le coucher de soleil, là c'est pas. C'est pas top top top. Hop. Mais bon, tout ça va être corrigé. Au montage! Voilà. Merci la magie du montage. Ah bah si je fais. Oui, je corrige un peu l'image, elle est pas belle sinon. Genre là les textures elles sont pas comme sur l'écran de la Switch en fait. Là, pour ceux qui ont Discord en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur parce qu'en fait dans mon serveur screenshot vous pourrez voir comment je fais pour tourner par exemple cette série. Mais même aussi Minecraft, donc voilà. Pour ceux qui veulent, et puis voilà, sinon il y a mon Insta pour ceux qui veulent aussi, n'hésitez pas. Alors. C'est génial de faire des foins. Dans la vie, il n'y a que le foin qui compte. Le foin. Non mais là. Là, c'est les vraies couleurs quasiment. Et qu'un peu plus de luminosité. C'est quoi? Ouais, de ce côté-là, c'est les vrais couleurs. Ah, pas tout à fait.
Ah, je sais pas. Ok. Tac. Hop, et puis voilà. Donc, cette série, je voulais vous dire quand elle se terminera, parce que là, c'est vrai qu'on est quand même dans les épisodes 20, on arrive presque à 30. Et c'est vrai que, bon, petit exploitant, je m'en souviens, je me suis arrêté à 20 exprès et j'avais pas fini mon objectif final parce que je me suis dit, bon, farming 18, je peux un peu mettre une croix dessus, bon, ça fait longtemps que ça existe, quoi. Alors, on m'a dit aussi, attends, comment elle fait la même? On m'a demandé aussi, en commentaire, bien sûr, hein, bien sûr, combien ça me rapportait une benne comme ça, 60 000 litres, 60 000 litres. Eh mais, j'en ai marre, mon téléphone, il est où? Ah, mais il est là. Eh, je l'ai trouvé. C'est nickel. Alors, on va faire le petit calcul du turfu. J'ai plein de notifications, merci. Alors, petit calcul. On va faire le prix du soja. En général, ici, c'est 1500. Donc, on va arrondir. Hein. Donc, tu fais 600 000 fois 1,5. Je crois que c'est un truc comme ça. Ah, je me ferai 90 000, ouais, bon, environ 100 000, quoi. Voilà, aux environs de 100 000. Donc, voilà. Avec une benne comme ça, remplie à 100%, ben, ça me ferait 90 000 pour un prix de 1500. Mais c'est vrai que ça arrive que ça monte plus haut, 1600, 1700. Et là, on est quand même, ouais, bon, en gros, environ. Ouais, là, on a 96 000 pour 1600. Donc, ouais, environ 100 000. Voilà. Donc, je me fais 100 000 avec du soja. Après, bon, je me fais sûrement moins avec du blé ou autre. Mais bon, c'est comme ça. Tac. C'est vrai que dans un épisode, on avait pendu du lisier. L'épisode est quand même arrivé jusqu'à presque 100 vues là maintenant. S'il n'a pas dépassé 100 vues, c'est pas mal. Ah, je m'en souviens de cet épisode. Ah là là. Le commentaire d'avant, j'avais reçu. Vas-y, fais du lisier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font du lisier. Mais du coup, voilà, j'ai fait du lisier. Allez, on va. Ok. Ça, c'est semé. On va semer l'autre. Oh, j'étais à 16 000. Oh, ça va. Il m'a bourré 2 000 euros. Ça va. Hop. Tac. Nickel. Oui, c'est celui-là pour la fin. Avec le volant Minecraft. Wow, incontrôlable. Incontrôlable le bordel. Si c'était un mode, tu vois, le truc, j'aurais compris. Mais là, c'est pas un mode. C'est un vrai bidule. Enfin, c'est un véhicule de base. What? What? Qu'est-ce que tu nous as fait? C'est limite la tondeuse, tu vois. T'as une tondeuse comme ça dans ton jardin, bah t'es content, elle te fait ton jardin d'une lignée. Bon, après t'as toute la pelouse au milieu, quoi, merde. Bon, pas grave. Ah là là, bon, on va s'arrêter à la fin de la tonte, hein, de toute façon. On n'a pas fait grand chose dans l'épisode à part un achat de deux champs. Voilà. Franchement, la miniature va être très dure. Ouais. Je suis en train de me demander si je ne mettrai pas. Ah, je ne dirai pas. Vous le savez. Vous le savez. J'hésite à mettre une moissonneuse devant le blé là, qui pousse sur les nouveaux champs. Et je marque nouveaux champs sur le. Voilà, c'est vrai que la dernière vidéo 100 000 litres de soja, j'aurais pas cru le faire un jour, mais je l'ai fait. Mais c'est vrai que je vous ai rien filmé. Hein. Ah ouais, je suis pas sympa. Ouais, mais c'est là où je regrette que finalement je vous l'aurais bien filmé, mais ça m'a pris quand même 3 heures. Imaginez 3 heures de vie, enfin 3 heures, bon, il y aurait l'accéléré de max, masse, en masse plutôt. Enfin, ouais, j'arrive pas. Hein. J'arrive pas ce matin. Bon, eh bien, on va aller se quitter avec notre nouveau chien. Alors, bonjour.
masse idéale qu'on utilisera. Voilà, donc les nouveaux changs, ils sont là, ils sont magnifiques, ils sont beaux. Putain, quand même, ça vaut 113 000 quoi. Ok. Et bon, bah, moi je vous dis à la semaine pro, ouais, samedi pour Minecraft, voilà. Et la semaine pro pour. Pour farming, tout simplement, et puis, bah, voilà. C'est vrai que j'ai pas repris les lives, faudrait peut-être que je reprenne les lives. Bon, en tout cas, cette vidéo, si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Par contre, là, mon truc qui me gêne, là, voilà, c'est mieux. C'est sombre, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, du coup, si ça vous a plu, à partager la vidéo. Bah, vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, voilà. N'hésitez pas à aller voir la petite playlist pour revoir depuis tout depuis le début pour voir un peu comment j'ai évolué. C'est vrai qu'au début, bon, j'ai commencé avec un peu de matos déjà, mais c'était parce que je voulais faire la présentation de Johnny. Et bah voilà, bah, tout simplement, voilà. C'était Benji, ça, je vous dis à la semaine pro. Ciao tout le monde!